je vais passer au mouillage proprement dit de l'amorce de fond et vous allez voir comment il faut procéder. Alors, je vais maintenant mouiller de l'amorce de fond, une amorce classique pour la pêche de fond. Voilà. Alors un petit peu d'eau. Donc il vaut mieux rajouter l'eau petit à petit de façon à ne pas noyer son amorce. Si on n'est pas sûr de son coup, je vous conseille de garder toujours un petit peu d'amorce sèche de façon à ce que si vous avez trop humidifié, vous puissiez sauver le mélange en rajoutant un petit peu de farine sèche. C'est toujours plus facile de rajouter de l'eau, mais c'est toujours difficile d'en enlever. Alors pour cela aussi, utilisez un récipient relativement grand, un seau qu'on vient très bien, rond, parce que ça permet de mieux brasser l'ensemble, de façon à ce que toutes les particules d'amorce s'imprègnent bien d'eau. Donc un récipient relativement grand et rond sera parfait pour l'humidification de l'amorce. Ne pas hésiter à utiliser non plus une grande bassine lorsque vous voulez mouiller des grandes quantités. Voilà, le mélange va être prêt. On va le laisser gonfler un petit peu. Et puis ensuite, il suffira de le tamiser. Alors là, je vais passer au mouillage de la même amorce, mais je vais rajouter dedans de l'aromix gardon. C'est un additif qui permet d'enrichir l'amorce et d'attirer plus particulièrement les poissons que vous recherchez. Alors on peut trouver ces additifs pour la carpe, pour la brème, pour le gardon. Ils ont l'avantage de resucrer l'amorce et surtout de lui donner un pouvoir attractif encore plus important. Je vais maintenant humidifier la même amorce de fond avec l'aromix gardon. Alors je dilue l'aromix gardon dans un peu d'eau. Voilà. Alors l'avantage de ces additifs liquides, c'est qu'ils se diluent parfaitement dans l'eau et que comme ça, toutes les particules d'amorce seront parfaitement imprégnées avec l'odeur et le goût de l'additif. Alors là, c'est une base sucrée. Elle aura tendance à faire recoller légèrement l'amorce. Donc, elle rendra l'amorce beaucoup plus riche, ce qui permettra de mieux tenir le poisson sur le coup. Donc avec la même amorce, j'aurai une partie d'amorce mouillée normalement qui va se défaire plus rapidement et une deuxième partie mouillée à l'aromix qui va être plus collante et qui permettra de tenir le poisson plus longuement sur le cou. Alors de plus, c'est très agréable, ça dégage une très bonne odeur, ça donne envie d'en manger, c'est une bonne odeur vanille caramel et c'est très efficace, notamment sur le gardon. Alors ça a tendance aussi à brunir légèrement le mélange. Parce que la couleur de l'aromix gardon étant légèrement marron, ça a tendance à donner une teinte un tout petit peu plus sombre à l'amorce. Alors ça va dans le sens de ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir une amorce plus sombre quand on pêche le gardon. Voilà. Donc on voit bien, là on a une boule qui est collante mais qui va se défaire. Et là, on a une boule beaucoup plus collante qui va tenir beaucoup plus longtemps. Mais bien entendu, avant d'amorcer, je vous conseille toujours de tamiser vos amorces de façon à avoir un mélange beaucoup plus homogène. Parce que si on ne tamise pas l'amorce, les grumeaux qui se forment lors du mouillage, et ces grumeaux-là, ils ne vont pas disparaître. Et quand on va jeter l'amorce, ben l'amorce va moins travailler. Alors que quand on la tamise, tous les grumeaux disparaissent, ce qui donne un mélange très homogène et très sapide et qui va se défaire beaucoup plus rapidement dans l'eau et qui va attirer le poisson parce que le but premier de l'amorce, malgré tout, c'est d'attirer le poisson. On va passer au tamisage. Alors, je vais tamiser maintenant l'amorce. Je verse l'amorce humide sur le tamis. Alors qu'elle est correctement mouillée, il n'y a pas trop de problèmes, elle passe bien au tamis, mais quand même on voit bien qu'il reste des grumeaux, et c'est le tamis qui va permettre de tous les éliminer, de façon à avoir le mélange d'amorce bien homogène. Voilà, c'est tamisé. On a un beau mélange, bien fluide. Il n'y a plus qu'à serrer la boule. À jeter ça, et l'avantage qu'il va y avoir, c'est comme on voit dès qu'elle est tamisée, l'amorce se défait parfaitement
et elle se défera aussi bien au fond pour attirer le poisson. Pour l'amorce de fond, je vous conseille d'utiliser un tamis à grosse maille, parce que comme on s'adresse à des gros poissons, on peut utiliser cette grosse maille, et comme l'amorce est plus collante, mais ça permet que ça passe mieux. Et pour l'amorce d'étang ou de petits poissons de surface entre deux eaux, je vous conseille d'utiliser un tamis à maille moyenne, à maille un peu plus fine, qui permettra d'encore de mieux tamiser les amorces fines. Maintenant, on va passer à l'amorçage. Lorsqu'on amorce, ce qui est très important, c'est d'amorcer de façon le plus précise possible. Pour cela, il faut bien être équilibré, avoir les pieds bien à plat, de façon à ce que quand on jette ces boules d'amorce, on soit le plus précis possible. Il faut auparavant avoir très bien sondé sa place, de façon à savoir si on a un fond en déclinaison ou pas, s'il y a un trou, si c'est une pente douce, si c'est un fond plat. De tout cela, une fois qu'on aura tous ces renseignements, on saura exactement comment est-ce que l'on doit amorcer et où l'on doit amorcer. Le cas le plus fréquent, ce sont les pentes. Et c'est là souvent que les erreurs se commettent, parce qu'on amorce trop loin, les boules ont tendance à rouler, et après on n'arrive plus à pêcher sur l'amorce. Donc quand il y a un fond en pente, je vous conseille d'amorcer légèrement en retrait de la pointe de votre canne, 1 mètre, voire 1,50 m en retrait. Il est toujours plus facile d'enlever un brin à votre canne que d'en rajouter un. De même, quand il y a beaucoup de courant, on a tendance souvent à voir les pêcheurs amorcer énormément à l'amont, ce qui souvent est une erreur, car quand on a fait une amorce qui convient parfaitement pour pêcher dans le courant, c'est-à-dire lourde et collante, on n'a pas besoin d'amorcer trop en amont. Il suffit d'amorcer bien à la pointe de la canne, car le poisson se trouve toujours ou sur les boules ou légèrement à l'aval. Si on a tendance à amorcer trop à l'amont, le poisson risque de remonter sur les boules, et si on est trop amont, on n'arrive plus à bien pêcher sur ces boules d'amorce. Donc je vous conseille, dans la plupart des cas, d'amorcer soit en face de vous quand il y a un fort courant, voire d'amorcer légèrement à l'aval quand le courant est lent à moyen. Donc ça, ce sont des petites astuces à ne pas oublier, car elles conditionneront la réussite de votre partie de pêche. De même, n'oubliez pas de rajouter un petit peu de chènevis ou de lait moulu au dernier moment dans quelques boules d'amorce, dans 2 ou 3 boules, de façon à voir à quel endroit votre amorce se trouve. Quand vous verrez pétiller les petites graines, vous saurez à peu près à quel endroit se trouve votre amorce, et vous saurez à quel endroit vous devez pêcher et quelle zone vous devez prospecter. Donc toutes ces petites astuces vous permettront de mieux comprendre ce que vous devez faire par rapport au poisson que vous recherchez. N'oubliez pas non plus de rajouter un petit peu de colle à asticot pour recoller quelques-unes de vos boules d'amorçage, de façon à ce que vous ayez une partie d'amorce qui tienne mieux sur le fond. Avec tous ces conseils, je pense que ça vous permettra de mieux réussir votre partie de pêche.